Alors, par rapport à la couleur, effectivement, je vous en parlais après par rapport au chakra, mais c'est vrai que par rapport au Reiki, il y a une petite corrélation. C'est-à-dire que par rapport à la couleur de la pierre, vous pouvez la mettre sur un chakra spécifique. Peut-être c'est le moment de parler un peu des chakras. Si quelqu'un a porté une pierre à notre tour, on ne peut pas la porter, il faut la purifier avant. Oui, tu as bien compris Marinette, c'est exact. Oui. Donc les chakras, vous avez le chakra de base, le sexe, c'est rouge. Des pierres rouges comme le corail se mettent plutôt à cet endroit. Quoi qu'on peut les mettre aussi sur d'autres chakras ou d'autres endroits spécifiques pour une action particulière. Le chakra au-dessus du nombril, le hara, le orange, donc c'est plus le ventre, l'estomac. Par exemple, on peut avoir un problème de diarrhée ou que sais-je, ou d'estomac ou de nouée ou quelque chose, on mettra une pyrite solaire ou une pyrite dollar pour essayer de résorber ici au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Dessus, le nombril, dessus le plexus solaire, il est jaune. C'est le plexus solaire, et effectivement, c'est là où on dégage des centres d'énergie et qu'on peut canaliser. Si j'avais été entièrement lithothérapeute, j'aurais remonté les chakras. Mais comme je fais du Reiki, je continue par le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le violet. C'est le côté mis en corrélation avec le cosmos. Le troisième œil, entre les deux yeux, le bleu indigo, le bleu violacé, le troisième œil. Ça, vous le retrouvez dans tous les livres de Reiki ou dans les couleurs, effectivement, de base de lithothérapie. La gorge, le bleu ciel, la communication, la parole, entre autres. Et effectivement, je redescends au plexus solaire, au jaune, là. Et là, peut s'irradier dans tout le corps pour arriver jusqu'aux mains. Et là, on peut apporter un soin en Reiki. C'est pour ça que je vous ai fait les couleurs montantes et les couleurs du haut vers le bas, vers le jaune, parce qu'elles peuvent se diffuser par les mains et on peut faire un soin en Reiki. Mais on peut faire un soin pas uniquement sur des êtres humains. On peut faire effectivement sur les êtres humains, c'est important, mais on peut faire à la demande, il faut avoir les autorisations en tant que... qu'enseignant Reiki, on peut faire une action à distance aussi, c'est pas gênant, on est formé aussi à ça, mais on peut faire aussi un soin sur un animal, sur un végétal. J'ai ma tante Claudine, sa verveine, qui commençait à battre de l'aile, si chaque année elle le revoit fleurir, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Sur un végétal, on peut faire quelque chose. Sur un cristal, je reprends le quartz, il a été blessé ici, on l'a percé. Ici, par une imposition Reiki des mains, j'essaye de le soulager. Mais les soins à distance, il faut une photo ? Pas spécialement une photo. C'est en Reiki, on peut faire, ça c'est notre démarche, ça s'écarte un peu du thème aujourd'hui, Marinette, mais effectivement, simplement par des symboles, par des impositions de mains spécifiques à une pensée spéciale, à une personne, ou un animal, ou un végétal, ou à une entité aussi. On peut se mettre en relation et essayer d'apporter un soin. Alors, on ne fait pas des miracles, il faut être honnête. Hein. Si on ferait des miracles, il y aurait le pèlerinage. Quoique on fait attention qu'il n'y ait pas le pèlerinage, c'est aussi important ça. Les gens savent, c'est par les résultats. Si vous portez des cristaux, c'est que vous pensez que vous êtes bien avec. Si vous n'étiez pas bien avec, vous ne l'emporterez pas. Ou alors on ferait notre démarche, je le pense sincèrement. Mais il y a des résultats, et j'en suis persuadé qu'il y a des résultats. Je ne convainc personne, chacun est libre, c'est important, il y a son esprit critique, mais je pense qu'il y a beaucoup de résultats grâce aux cristaux. Et l'opale, enfin là c'est l'opale noire, qu'est-ce qu'elle apporte comme... Alors c'est plus dans l'ancrage, par rapport à sa couleur noire, c'est dans l'ancrage, le côté de la relation à la terre, à la mère, à la Pachamama. Si vous êtes trop rêveuse et trop abstraite, ça vous apportera un côté plus cartésien, un enracinement dans la terre. Ici, c'est une autre pierre noire, c'est une larme d'Apache. La larme d'Apache est assez puissante, je la pose
La larme d'Apache, il suffit d'une vingtaine de secondes ou 30 secondes à un endroit spécifique où vous avez une douleur pour vous l'enlever. Ça paraît fou. Ça paraît fou, effectivement. Ça s'écrit comme larme. Une larme d'Apache. Ah bon ? Eh bien, ce soir. Donc on la trouve en Amérique, alors ? Elle est magnifique. Entre autres, oui. On la trouve ici. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. La larme d'Apache, vous avez dit la propriété. La larme d'Apache, par rapport à un mal que vous ayez, vous le posez sur la partie spécifique à traiter, ça vous l'enlève. Mais vous les laissez combien de temps ? Je vais l'utiliser. Je viens de le dire à Marinette, entre 20 secondes et 30 secondes. Ah, d'accord. Ici, c'est une pierre aussi de la mer, c'est un nodule polymétallique. Le nodule polymétallique, je l'ai mis un peu parce que j'affectionne particulièrement, il m'a été donné par un de mes oncles, qui allait notamment à Jakarta, qui s'occupait notamment, quand il était vivant, c'est vrai, de repérer des bandes de nodules polymétalliques sous la mer. On descend en soucoupe plongeante à 2 km ou à 3 km sous la mer. Il y a ce genre de nodules qui contiennent du nickel, du manganèse, du cuivre, du cobalt, de l'or, de l'argent. Dans les années 80, on misait fort sur des matières premières nouvelles, entre guillemets, ou qui étaient non exploitées. Et on faisait des recherches de ce type de nodules polymétalliques qui étaient sous la mer. On pensait qu'en allant les rechercher, ça permettait d'avoir des matières premières. Par contre, ça s'avérait trop difficile et trop onéreux pour les rechercher toutes. C'était plus important, c'était financièrement plus raisonnable, entre guillemets, d'utiliser donc du pétrole. Vous pouvez le percevoir, mais c'est dans l'invisible. Mais ça veut dire que ça existe. Vous me suivez ?